c'est de mémoire la 5e journée nationale d'action initiée par ce groupe des 9 en moins de 18 mois. À ces mobilisations, il faut ajouter celles où de très nombreux retraités, comme en décembre, ont aussi participé dans un cadre interprofessionnel. C'est dire la profondeur de la colère et du ressentiment des retraités face aux mesures qui ont été prises à leur encontre. Ce n'est pas pour rien aussi qu'un nombre de retraités se sont retrouvés et continuent d'agir dans le mouvement multiforme des Gilets jaunes. Mouvement qui n'est pas né spontanément, comme on voudrait souvent nous le faire croire. Pourquoi êtes-vous venu ici à cette manifestation de retraités? Vous êtes venu en tant que retraité ou en tant que Gilets jaunes? Gilets jaunes, citoyens, et nous avons les revendications communes. Nous allons essayer de lutter autrement. Peut-être plus essayer de s'associer, en particulier pour la journée du 5, avec les syndicats. C'est une nouvelle stratégie des Gilets jaunes pour éviter l'essoufflement du mouvement? Là, on est venu ce matin, c'est vraiment à titre individuel. Et comme tu peux le voir, enfin vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de Gilets jaunes. Il y a des Gilets jaunes, ce qui est déjà pas mal. Et donc, on va définir une stratégie. Nous allons rencontrer la CGT dans les prochaines heures pour voir si on peut avoir une action commune. Pour le 5 février. Et donc, ils nous expliqueront qu'on liquide ça. Mais oui, mais c'est les citoyens qui nous ont. C'est pas d'une grande valeur.